Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous avais parlé que je vous ferais une série de tutoriels avec ces papiers, mais je vais le commencer seulement à partir du 1er janvier. Alors, en attendant, parce que je me devais de faire un album assez rapidement, que j'avais besoin rapidement avec les papiers. Alors, ne vous en faites pas, ça s'en vient, la série de tutoriels où vous avez voté. Alors, ça s'en vient très bientôt, le 1er janvier, je commence tout de suite la première interaction. Alors, en attendant, bien, je voulais vous montrer mon produit fini que j'ai fait pour le deuxième album. Alors, voilà ce que ça donne. Premièrement, j'aimerais faire une petite spécification. Quand vous regardez les tutoriels, si vous voyez que l'explication, ou même quand vous regardez les projets ici, c'est trop rapide, vous allez dans la vidéo, juste en bas, ici, à droite, il y a une petite roue dentelée. Alors, vous cliquez là-dessus. Et puis, vous mettez en bas de 60, en bas de normal, c'est-à-dire 75 %. Ça veut dire 75 % de la vitesse. Donc, tout est plus lent. Et je pense pas que vous allez vouloir l'avoir plus rapidement parce que je pense que mes vidéos sont assez rapides. Mais bon, alors c'est ça. Alors, vous allez là-dessus et vous pouvez l'avoir plus lentement. Alors, pour les tutoriels, pour tout peut être beaucoup plus tranquillement expliqué, comme je l'ai fait là. Alors, voilà, je voulais spécifier. Alors, voici mon album. Alors, et j'avais fait, quand j'ai visité ma famille au mois de novembre dernier, j'ai comme de raison, il n'est pas question de rester sans rien faire. Alors, j'avais mon point de croix sur lequel j'ai travaillé. Alors, c'est Mickey avec des petites bordures tout le tour. Alors, je me suis bien amusée à le faire. Alors, voilà, j'ai fait le format de cet album considérant ce point de croix. Alors, j'avais parlé que j'avais un point de croix et que j'étais pour faire le tuto plus grand, mais alors, bon, je vais faire les tutos quand même plus grand, l'album plus grand, mais j'ai déjà utilisé mon point de croix. Alors, voilà, je l'ai monté sur un morceau de carton de poids moyen couvert de papier. Alors, les papiers sont des papiers cartonnés normaux. Et j'ai utilisé pour cet album tous les papiers cartonnés plus épais. Alors, un peu comme les posters, un peu moins que les posters. Alors, voilà, ici, de chaque côté, on a du tissu, un ruban ici pour couper le joint tissu et papier. Même chose ici derrière. Ici, j'en ai pas mis parce que j'arrivais tout juste à cause de la façon que le fermoir se fait. Et ici aussi, j'ai pas le tissu ici derrière, parce que j'avais déjà maté ici. Alors, la façon que j'ai fait, alors tout est fait en carton de poids moyen. Et ici, parce que j'ai mis des aimants assez épais, alors je crois qu'ils mesurent 2 mm. Alors, ces aimants faisaient trop bomber le papier. Alors, j'ai tout simplement pris une autre feuille de carton de poids moyen et j'ai percé les trous où sont les aimants, ici, dessous, je vais vous montrer. Et puis, ça me permet d'avoir un dessus bien, bien plat. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est bien aimanté. J'ai 4 aimants, des aimants assez épais. Et vous savez, j'ai même de la difficulté à l'ouvrir. Voilà. Alors, ici, c'est tout plat parce que mes aimants. Ils sont dessous, ils sont à l'intérieur du carton où j'ai fait un trou pour qu'ils soient bien égaux. Voilà. En plus de la collection de papier, j'ai acheté des collants, une feuille de collant de Mickey et tous ses amis, et aussi une autre, vous allez voir d'autres collants un peu partout, qui sont d'autres petits messages. Alors ici, j'ai quelques billets et la petite bannière ici, le fanion ici que j'ai de la collection du Scrapbooking Kit que j'avais utilisé pour l'autre petit projet de site Disney, qui est de Echo Park. Alors voilà, j'en avais encore un peu, il m'en reste encore pour le prochain projet. Alors la façon que ça fonctionne, alors on ouvre comme ceci. Alors premièrement, on a la grande poche. Alors, celle-là n'a pas été demandée, je crois, dans la série de tutos que je vais faire. Alors, ici, je l'ai fait quand même assez épaisse, mais je crois pas que ça va être rempli au complet. De toute façon, il n'y aurait probablement pas d'espace, parce qu'il faut faire attention quand on travaille avec un album de style avec deux tranches ici. Alors, on est assez limité ici. Okay? Alors, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Comme vous voyez, peut-être que si elle est remplie, il reste encore de la place pour les photos, mais pas tant. J'ai fait l'expérience, j'ai fait le test à savoir les photos, si ça se contenait tout à l'intérieur. Alors, j'ai mis plein de cartons, de papier cartonné, tout ça. Et puis, j'ai fermé, ça fermait très bien. Il restait même encore de l'espace. Mais c'est avec la pochette qui est ouverte de cette façon. Alors, peut-être qu'elle pourrait être ouverte. Mais je pense pas que les gens vont vouloir remplir à ce point. Alors, voilà.
Alors, c'est la grande poche, une petite pochette ici pour mettre une ou deux petites cartes, des petits billets, quelque chose. Alors, j'ai pensé que c'était important de mettre la grande poche sur la première page parce que c'est un endroit où on met tous les pamphlets, les dépliants, les billets qu'on a, toutes ces petites choses qu'on veut garder. Alors, ça peut tout se contenir à l'intérieur ici. Voilà. Deuxième page. Alors, ici, j'ai fait ma technique de la page la plus facile au monde. Alors, comme vous voyez, j'ai une section ici. Et j'avais celle-ci aussi. Et je trouvais que j'avais trop d'espace. Il me restait trop d'espace, même avec les photos que je calculais être ajoutées. Alors, j'en ai fait un tout petit ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, voilà. La première, ici, c'est la cascade interactive. Alors, je vais vous faire ça à partir du 1er janvier, la série. Alors, soyez bien à l'écoute. À partir du 1er janvier, tous les tutos que vous m'avez pour lesquels vous avez voté vont être dans l'album pour terminer d'utiliser tous mes papiers qui sont ici. Alors, celle-ci a été votée pour. Alors, je vais la faire. Ici, on a la page, la doublure de page. Alors, j'ai une carte ici et j'ai tout simplement plié l'extra parce qu'il me restait, j'ai pris la largeur de mon papier cartonné et il me reste un petit peu. Alors, je l'ai tout simplement plié. Comme ça, ça renforce les coins. C'est une bonne façon d'avoir des cartes qui ne se détériorent pas, les coins ne se détériorent pas. Alors ici, j'ai une petite carte, deux, que j'ai pliée tout simplement en deux et arrondi les coins. Alors celle-là, ce n'était pas dans les interactions, mais éventuellement, je la referai peut-être. Je l'ai déjà faite, je crois. Alors ici, des cartes pour photos. Alors photo derrière, photo devant, si on veut. Alors ce sont dans les pochettes, mais ce ne sont pas que des pochettes, comme j'ai déjà fait. Ce sont aussi des flaps et celle-là a un aimant. Parce que les autres, c'est des cartes qui sont entrées à l'intérieur, qui gardent les flaps fermées. Mais ici, vu qu'il n'y a pas de carte par-dessus, alors j'ai mis un petit aimant. Voilà. Et aussi, quand ces cartes, les flaps sont ouvertes, on peut quand même mettre autre chose là, à l'intérieur des cartes, des pochettes. Alors voilà. Comme ceci, et celle-là. Alors, c'est la première page. La deuxième, alors ici, on a une pochette. D'un côté à l'autre. J'ai deux petites cartes ici que j'ai découpées de la collection et j'ai arrondi les coins. Alors ici, c'est la filière à 6, la filière décalée, OK, à 6 enveloppes en 3 étages. Alors ça va être une des interactions dans le prochain album Steve Disney. Ici, une petite carte qui est derrière. Alors je vous ferai aussi avec la pochette derrière. Alors une des cartes où est-ce que c'est qu'on peut insérer des choses à l'intérieur. Alors ça va d'un coin ici jusqu'ici parce que c'est collé seulement sur le côté ici. Alors c'est une belle carte pour mettre quelques photos à l'intérieur. Alors celle-là on va la faire aussi. Prochaine. Alors la grande carte enveloppe avec le fermoir enveloppe. On va la faire aussi dans les tutos. Alors voilà comme ceci. On l'ouvre comme ceci et encore. Alors, plein d'endroits pour mettre les photos. Encore ici, avec un petit aimant, on a une pochette sur la première flap. Photo ici, peut-être deux petites. Une autre photo ici. Et ici, on a des pochettes qui vont jusqu'au bord des deux côtés. Supposé aller. Voilà. Un petit peu de colle. Alors, jusqu'au fond. Ici, on peut mettre des plus petits papiers. Et une grande qui va en bas. Voilà. J'aime bien faire cette page. Je la fais à peu près dans tous les albums que je fais depuis l'été dernier. Et derrière, il y a encore la doublure de page. Alors, donc, une autre carte derrière. Même chose. Voilà. Prochaine page. On tombe dans la section du centre qui est plus étroite. Alors, je l'ai fait comme environ 2 mm. C'était l'espace que j'avais. Alors, je me suis dit, je vais faire un cahier soit pour du journaling ou pour des photos. Mais surtout des photos parce qu'on a la partie collée les unes sur les autres ici. Alors, on a 4 feuilles ici. Un gousset. Alors, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tout couvert les goussets. Ici. Encore 4 feuilles ici. Couvert tout ici. Et puis ici aussi. Et tout l'intérieur ici est couvert. Je trouve que ça donne une meilleure finition. Ça montre la qualité de vos albums. Alors voilà, ça c'était celui du centre. Voilà, je vais plier comme il faut. Ensuite, ici, la deuxième partie que je commence. Alors ici, j'ai un aimant. J'ai une petit collant que j'ai utilisé. J'ai mis sur un carton épais et un aimant. Vous voyez l'épaisseur de l'aimant. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça les aimants que j'avais mis sur le dessus. Alors voilà, il fallait que je mette un gros aimant parce que avec ces cartes, ça c'est la filière latérale dont je vais faire le tutoriel aussi. Alors mon aimant est ici.
Alors, on a deux épaisseurs ici. Ça fait 2, 4, 6, 8, plus celle où est-ce qu'il y a le papier derrière, ça fait 9, plus ici, ça fait 10, et ça colle encore. On a 10 épaisseurs de papier. Il reste les photos encore à ajouter. Alors, on a 5 photos à ajouter, 5 épaisseurs photos. Alors, c'est important de prendre des gros aimants assez forts pour faire cette interaction. Alors, je la ferai peut-être, je vous montrerai comment la faire si vous voulez faire avec les mains, mais je vais la faire avec un ruban aussi. Alors, ici, on tourne la page. Encore une page avec la carte ici à l'intérieur. Alors, celle-là, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Alors, c'est les trois cartes sur leur bande transverse. Alors, j'ai tout simplement pris trois des cartes qui découpent, parce que je ne vous avais pas montré, mais ici, on a 8 feuilles de cartes de toutes sortes de formats. Alors, moi, j'en ai profité. Il m'en reste encore. J'en avais trop pour mon projet. Alors, en tout cas, j'en ai choisi trois. Et puis, chacun a sa bande transverse pour l'accrocher, comme une corde à linge, on peut dire. Alors, celle-là ici et celle-là ici. Alors, vous voyez les trois bandes ici où est-ce qu'on accroche les feuilles, les cartes. Et celle-ci en bas, c'est pour que la dernière s'insère derrière pour pas qu'elle flippe et qu'elle floppe partout. Et comme vous pouvez voir ici, alors c'est une question de gousset. Alors, le premier a à peu près pas de gousset, le deuxième a un petit gousset et l'autre plus grand. Parce que à mesure qu'on ajoute les pages, les cartes, ça ajoute de l'épaisseur, surtout sur la dernière. Alors, c'est important d'allouer un gousset pour que tout puisse se contenir derrière. Alors, la façon de les rentrer, alors on prend la flappe derrière. On peut arrondir les coins, ce serait plus facile encore. Et on la met derrière ici. Et celle du dessus doit aller derrière la prochaine bande transverse. Et celle-ci, comme ceci. Et la dernière entre ici à l'intérieur. Tout simplement. Alors, on met des photos sur ces cartes et puis ça nous fait de beaux, belles façons de mettre nos souvenirs. Voilà. La prochaine, alors ici, on a un aimant. OK. J'ai utilisé une des petites cartes. Encore ici. Photo ici, photo ici. Photo ici. Alors, ça, c'est celle qui est la multiflap latérale. Je vais la faire aussi. Vous allez voter pour celle-là. Photo, photo. Et au centre, ici, j'ai un petit un espace journaling. Parce qu'on peut soit mettre des photos, faire du journaling, un peu comme un petit journal, finalement, photo et écriture. Et ici, j'ai fait une pochette, tout simplement. J'ai mis deux petites cartes qu'il y a sur les feuilles. Et voilà, comme ceci. Et la dernière page, ici. Alors, tout simplement, juste deux flaps que j'ai fait, comme je vois souvent dans les vidéos de tout le monde. Alors, j'ai dit, bon, je vais la faire parce que je commençais à manquer d'idées un peu. Et puis, j'avais aussi, je manquais d'espace. Alors, je ne voulais pas faire rien de trop interactif. Alors, photo mat ici. Si vous avez, j'ai mis une petite carte dans la pochette pour montrer qu'il y a une pochette. Ils peuvent en mettre plus. Ça se fait avec un aimant aussi. Et la dernière section, à cause de la carte de collant que j'ai achetée, il y en avait une qui disait autographe. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un livre d'autographe. Alors, j'ai tout simplement pris un livre ici en carton, en papier cartonné, et j'ai mis des feuilles de copie, de photocopie. Alors, ils ont plusieurs feuilles ici pour écrire. Et puis, si je dis, Look who I met, regardez qui j'ai rencontré, parce que les personnages, ils se promènent dans les rues à Disney World, Disneyland, ou n'importe quel Disney. Et puis, c'est une façon de présenter que c'est tous ceux qu'on a rencontrés dans le voyage. Alors, j'ai trouvé que la carte se prêtait bien à ça. Et ici, c'est juste l'oreille de Mickey. J'ai mis une carte ici pour un peu briser la monotonie des picots. Voilà, c'est ça mon album. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. Il y a beaucoup d'autres vidéos à venir, des tutos, un peu de tout. Et puis, ne manquez pas la série de tutos qui vient à partir du 1er janvier. Alors, vous allez voir, il y a environ 8 différents tutos que je vais faire d'interaction, 8 interactions différentes. Alors, soyez à l'écoute, revenez voir mes vidéos, revenez voir les tutos plusieurs fois. Si vous ne comprenez pas, vous diminuez la vitesse à 75, je trouve que c'est une bonne vitesse. C'est vraiment la bonne vitesse pour bien comprendre. Je suis vraiment limitée dans ma petite cassette pour mes vidéos, alors je dois faire rapidement. Et parfois, je parle plus vite ou j'agis plus vite. Alors, en diminuant la vitesse, comme ça, vous pouvez voir tout et tout bien entendre. Et si ce n'est pas encore assez, vous pouvez toujours reculer un peu pour revoir ce que vous avez manqué. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!